Bonjour, je m'appelle Zidane Azouzi, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de bachelor de journalisme à l'ISCPA et cette année j'ai réalisé mon stage à Canal+. Depuis le collège, je suis hyper intéressé par le journalisme. Je faisais partie déjà du journal du collège pour la conception et la réalisation du journal. Sur conseil des amis et des anciens étudiants à l'ISCPA, vu qu'après le bac, je voulais directement faire du journalisme et l'ISCPA me l'offrait, du coup, j'ai choisi cette formation et j'en suis très ravi. Sur conseil de mes amis et d'anciens étudiants, de 1 et de 2, je voulais directement faire du journalisme après mon baccalauréat. L'ISCPA me l'offrait, en plus des stages et des contrats professionnels. L'ISCPA m'offrait tout ça, du coup j'ai choisi cette formation. Mon stage, c'était à Canal+, à la rédaction des sports, plus précisément au foot. J'étais affilié à deux émissions, le Canal Football Club et Jour de Ligue 1. Toute la semaine, on préparait des sujets et des reportages qui devaient être diffusés le week-end, le jour des émissions. Et pendant les émissions, j'étais en régie, en étant en train d'assister les réalisateurs, les LSM, etc. pour la bonne réalisation des émissions. Alors comment j'ai trouvé ce stage? Grâce à l'ISCPA justement, parce qu'il y avait une conférence sur le journalisme sportif à l'ISCPA. J'avais rencontré un journaliste de Canal+, Norman Staron. Du coup, je lui ai écrit juste après, on a échangé ensemble, etc. Et en plus de ça, il connaissait aussi mon ancien tuteur de stage à Libération. Du coup, ils se sont discutés entre eux et ça s'est fait comme ça et j'ai été pris à Canal+. Un conseil, je vais dire un peu comme tout le monde, je pense du travail, de la persévérance et de la motivation, parce que quand même c'est pas un métier facile, mais c'est un métier de passionné et l'un des plus beaux métiers du monde. Du coup je pense qu'il faut persévérer, croire en soi et toujours être déterminé pour atteindre ses objectifs.